Well, Giri, Lena, thank you so much. Okay. Now, I have to make sure that fire comes out. Giri, Lena, merci beaucoup pour l'introduction. Okay. Vous savez, je dois m'assurer que le feu sort de mes yeux. Bon, je vais essayer. Ok, très bien. How are you doing? Bon. VCC 2022. Comment allez-vous? Je veux dire. Well, I've been enjoying. C'est le deuxième jour. Some amazing lessons, amazing j'étais en train de profiter. From around the world. I love j'ai écouté d'incroyables témoignages. Moi, j'adore le VCOM. Et VCC, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Et je suis content que Chief ait annoncé qu'on espère qu'en septembre, on aura notre propre VCOM présentiel sur place, comme avant. Vous savez, les nouvelles personnes qui viennent de faire le sign-up les dernières années, vous ne savez pas ce que vous manquez en septembre. Vous verrez ce qu'on avait l'habitude de faire dans le passé. Comment le VCOM se passait dans le passé? Aujourd'hui, on va échanger de manière légère. Je ne vais pas crier, je ne vais pas... Et comme m'a dit Giri, vous savez, il est 7 heures du matin chez moi aujourd'hui. Je n'ai pas dormi de la nuit. Parce que j'ai participé, je regardais le VCC depuis si loin, ici, là où je suis. En fait, j'aimerais vraiment discuter avec vous de manière... j'aimerais être à l'aise en fait dans cet échange avec vous aujourd'hui. Now, all of you are writing down notes and making sure you don't miss things. En fait, chacun de vous, et je sais que vous tous avez pris des notes. Pour ne rien, vous avez pris des notes pour ne rien oublier de ce VCOM. Vous savez, une fois Dato nous a dit, vous pouvez partir. Quand vous partez pour prendre de l'eau, si vous emmenez avec vous une petite cuillère pour prendre de l'eau, et ben vous prendrez la quantité d'une petite cuillère. Si vous allez avec une tasse, et ben vous allez remplir une tasse. Si vous partez avec un seau, vous allez en remplir un seau. Certains d'entre vous sont là pour certaines choses et quelques stratégies et techniques. Et les gens qui viennent ici juste pour connaître comment ils peuvent motiver leurs downlines, ça ne marche pas pour moi. C'est les gens qui disent, en fait, moi, je suis venu au VCOM juste pour savoir comment je dois convaincre le prospect, c'est tout. J'aimerais juste que vous m'appreniez à faire ça. Vous savez, le problème, ce n'est pas vos prospects négatifs ou les nouvelles. Vous avez des problèmes à l'intérieur de vous, mais la personne, c'est ce qu'elle dit. Elle me dit, non, moi, je n'ai pas de problème entre moi et moi-même. Tu dois juste me montrer comment faire en sorte à faire travailler mon équipe et ça va aller. En fait, c'est comme si que vous voulez prescrire des médicaments à vous-même et vous attendez à ce qu'on vous donne la recette miracle. Vous savez, les gens qui réussissent comprennent une chose, c'est qu'ils ont besoin de changer beaucoup de choses au sein d'eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes. Travailler sur beaucoup de choses pour pouvoir réussir. Et en fait, réussir dans votre business, atteindre le succès dans votre business. À tous ceux, je m'adresse à tous ceux qui sont sérieux, qui sont prêts à travailler sur eux-mêmes. En fait, je ne sais pas comment vous dire ça sans vous offenser, mais en fait, je n'essaie pas d'insulter quelqu'un ou d'offenser qui que ce soit. Je sais qu'il y a des hommes et des hommes avec leur épouse, des femmes avec leur mari, mais je vais vous dire une chose. S'il vous plaît, arrêtez de jouer le rôle des enfants. Arrêtez de faire les enfants. Grandissez, devenez des adultes. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains sont en train de dire, mais je suis un homme, je suis une femme. Pourquoi on me dit que je joue le rôle d'un enfant? Je fais des enfantillages.
Et moi, ce que je vous dis, c'est arrêtez d'agir comme si vous aviez 2 ans ou 4 ans. Qu'est-ce que vous faites en règle générale quand quelque chose ne marche pas comme vous voulez, qui ne va pas dans le sens que vous voulez? Par exemple, quand un prospect vous rejette. Par exemple, quand quelqu'un dans votre équipe quitte. Quand un prospect vous promet qu'il va sign-upper le lendemain et puis il répond plus au téléphone. OK? Quand il y a, par exemple, des infos négatives qui sortent dans les journaux et qui viennent polluer votre business, qu'est-ce que vous faites, hein? Vous vous énervez, n'est-ce pas? Triste, en colère, et vous l'exprimez. Vous ne voulez plus aller aux formations, vous ne voulez plus parler à vos mentors, vous les évitez. Quand les gens ne font pas ce que vous vous attendez d'eux, ou quand vous ne recevez pas les résultats que vous attendez, justement, vous êtes frustré. Et vous jouez le rôle de la victime, et vous ressentez que vous êtes une victime, et vous l'exprimez. Pourquoi? Je vais vous dire. On n'a jamais atteint le succès avant. On n'avait pas idée de comment agir quand quelque chose ne réussit pas. On réagit de la manière qu'on connaît, comme justement exprimer cette frustration, etc. Tout ce que je dis, en fait, c'est que le fait de réagir comme un enfant à chaque fois que ça va régler le problème. Dieu ne va pas vous rapporter la success. All that drama worked when you were living with your parents. It won't work. Le drame, c'est que fait un enfant quand il veut avoir du chocolat. Ça, à la rigueur, ça marche avec les parents, mais ça ne marche pas dans le business. Et ne faites pas comme si vous ne compreniez pas ce monde, comme si vous étiez né qu'hier. En règle générale, tout le monde a des difficultés, c'est normal. Mais il faut réagir d'une manière responsable. Si vous êtes vraiment sérieux à propos du succès, si vous voulez prétendre d'essayer de devenir des gens à succès, oui, vous pouvez continuer à agir comme des enfants et vous plaindre et vous dire « Oh mon Dieu, je travaille très dur et aujourd'hui ces médias sont en train de détruire mon équipe. Il est où mon upline? Il est où? Pourquoi il fait rien? Pourquoi cette société ne fait rien? Elle est où? Pourquoi elle permet que tout ça arrive? Je m'en fous, moi, ce que la compagnie a déjà fait. Moi, je veux arrêter tout ça. Je suis fatiguée. C'est en train de tuer mon business. J'ai envie d'arrêter toute cette négativité. Vous devrez normalement poursuivre tout le monde. Je ne sais pas ce que la compagnie fait, mais elle devrait faire plus. Elle est en train de tuer mon business, je vais vous dire. Je vais vous dire quelque chose à propos de la négativité, ok? Et spécialement à propos des médias. Je vais vous parler comme si je parlais à un enfant, ok? Parce que le problème, c'est que votre comportement, il ressemble à celui des enfants dans ce genre de cas. Vous agissez comme si vous ne compreniez pas le monde. Donc, s'il vous plaît, permettez-moi de vous l'expliquer comme si je l'expliquais à un enfant de 5 ans. Ok. Beta. Ok. Is a business. Their priority is to make money. Alors en fait, les médias, c'est un business. Leur priorité, c'est de se faire de l'argent. Ils ne sont pas là pour rendre service des services sociaux. Ce n'est pas le rôle des médias. Vous comprenez? Autre chose. The higher quality attention they can get, the more money they can make.
Et la plus grande... It's the same tool that politicians, corrupt religious leaders all have been using for centuries. This tool is as old as civilization itself. Extremely powerful. It's called fear and hate. And there is absolutely nothing out there that is more powerful than fear and hate to get somebody's attention. So when you are in a business where attention is money, you will use the best. Donc quand vous êtes dans un business et que votre attention est l'argent. Okay, beta. So if you thought. Donc plus ils vont semer la peur et l'horreur, et plus ils vont attirer l'attention. Keeping you informed about what is going on around in the world. Please wake up and come out of. Donc le rôle c'est justement de. Things have happened in civilization. You should actually do some research on fear tactics. Le rôle c'est de faire ça en fait. You know, maybe just vous devez faire quelques recherches sur les techniques pour faire peur aux gens. Les médias utilisent la peur. C'est comme ça qu'ils arrivent à se faire de l'argent. Les sensations de peur, tout ce qui provoque, tout ça a été étudié. Ce ne sont pas des gens mauvais. Ils n'ont pas l'intention de vous faire du mal. Mais la vérité, c'est qu'ils s'en foutent s'ils nous font du mal ou pas. C'est le rôle de semer la peur. En fait, ce que se dit dans le monde des médias, quand ça saigne, eh ben ça vend. Ça rapporte. Et donc, s'il n'y a pas des gens qui saignent, ils vont les faire saigner pour faire de l'audience. Je vais vous donner un exemple. Comme on peut donner des sensations, par exemple. Donner 1 litre Si je vais conseiller les gens de boire 1 litre d'eau tous les jours pour avoir justement une bonne santé, je vais vous donner un exemple de comment les médias peuvent utiliser cet argument pour créer de la sensation. Arun George recommande qu'il faut boire tous les jours 1 litre d'eau. Or the second one, fear is a very powerful tool, and news media are experts in using this to manipulate. Have you seen reporters? Au lieu qu'ils disent que j'ai conseillé qu'il faut boire 1 litre d'eau, ils vont dire que j'ai conseillé de lire 1 litre de liquide de je ne sais quoi. Est-ce que vous avez été victime de ce liquide qu'il a conseillé de boire? Voilà comment ils créent des sensations et ils font du détournement de l'information. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vers les gens et ils commencent à leur poser des questions pour les pousser plus. Then comes the hate trick. How angry do you feel towards the government or the local administration or whoever they want to stir the hatred against? How angry do you feel against them that Comment voici les questions qu'ils leur adressent. Est-ce que vous avez perdu tout votre argent? À quel point vous êtes en colère contre le gouvernement? Parce qu'ils n'ont pas prévenu tout ça. C'est incroyable, ce détournement, cette reformulation des questions pour pousser toujours à ce que ça soit sensationnel. On voit ça tous les jours. Donc pourquoi vous prétendez que ça n'arrive pas? Seulement maintenant, vous êtes en mode réception. Quand ça arrivait à d'autres, c'était amusant. Écoutez, pendant longtemps, moi j'ai compris ça. À partir de mes mentors, il y a déjà 20 ans.
J'ai stoppé, j'ai arrêté de regarder les actualités et de lire les nouvelles et les journaux. Et même quand je lis, à chaque fois, je cherche dans les textes combien de peur et de haine est transmise dans le message ou l'article et toutes les techniques qu'ils utilisent pour l'augmenter, pour en augmenter l'intensité. C'est un poison. Vous pouvez avoir une mentalité très très forte, mais il faut surtout faire très très attention. Parce que peut-être que vous pensez que non, il rapporte tous les faits. Please don't fool yourself. They are using fear and hate tactics. Okay? And now, in this spectrum, leur objectif, c'est de vendre toujours plus d'espace. C'est comme ça qu'ils se font plus d'argent. Ce sont leurs tactiques. Inventing sensational stories. Whereas the other ones, the more ethical ones, they, on the other extreme, they still... Il y a d'autres médias qui vont inventer. Now, when you are in a business that is growing, ils vont pas reformuler, mais inventer. Ça, c'est une autre extrême. Pour réinventer du sensationnel. Et il faut que vous sachiez une chose, plus vous grandirez, plus vous deviendrez populaire et plus vous serez sous les projecteurs à leurs yeux. Peu importe la nature du métier de la personne. Si beaucoup de gens ont entendu parler de toi ou de ta société, tu seras utilisé, tu seras exploité, tu seras exposé. Donc il faut grandir et comprendre ça. Maintenant, les réseaux sociaux, n'importe qui peut justement gagner de l'argent en publiant des informations erronées, en partageant des vidéos sensationnelles sur les réseaux médias. Et plus le contenu est attaqué, et plus ça crée de la peur et de la tension. Et ça, on le sait, c'est gratuit, c'est accessible, tout le monde peut le faire. Ce sont des tactiques. Et ça existe depuis des générations. Toutes les civilisations le savent. Et toutes les formes de médias utilisent ces tactiques de peur et de haine pour créer tout ça, pour semer la zizanie. À travers le fait de partager des messages, des vidéos, des photos. Maintenant, vous, si vous voulez réaliser un grand succès, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas jouer le rôle de la victime et tomber dans l'erreur et tomber dans ce piège de peur et de haine qu'il crée exprès. Et la meilleure protection, c'est d'éviter justement, éviter ces sources. Bon, certains vont dire, bon, merci beaucoup pour m'avoir dit tout ça, je comprends. Mais comment est-ce que je peux expliquer? C'est ça mon prospect, si moi je le comprends. Ok, moi je ne vais pas être influencé par ces informations. Mais mes prospects sont influencés par ces techniques de peur et de haine. Et ces médias, et ça infecte mon business. Je fais comment? Donne-moi une solution. Donne-moi une stratégie pour régler ce problème. Je vais te dire, si tu penses comme ça, c'est que tu as vraiment raté le point, que tu n'as pas compris grand-chose à ce que j'ai dit. Fais-moi une faveur. S'il te plaît. Commence à chercher le vrai succès. Pour ceux d'entre vous qui réalisent que le plus gros challenge, c'est l'attaque qu'ils font à vos cerveaux. La première chose, c'est que ce dont vous devez vous en assurer, c'est de ne pas tomber dans la négativité. Si vous commencez à se ressentir que vous êtes en train de devenir coléreux, démotivé, ça veut dire que vous êtes en train de tomber dans le piège.
Vous réalisez, vous reconnaissez ces tactiques. La deuxième chose, assurez-vous que vos équipes vont comprendre ça depuis le premier jour. Protégez-les, protégez leur mentalité de tout ça. C'est la priorité numéro un. C'est très important à comprendre. Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez gérer ça avec les prospects? Ce n'est pas important à partir du moment où vous pouvez le gérer au sein de votre organisation, au sein de vos équipes déjà. Différents leaders ont différentes approches. J'ai déjà parlé à EVP Saïd Amir à propos de ce sujet et il me disait comment il faisait lui. Et ils ont une session régulière où justement ils vont au-delà de ces... Ils échangent à propos de ces sujets et de cette négativité pour résoudre tous ces problèmes-là et ces perceptions. Moi, je sais qu'au Sri Lanka, pareil. Ils prenaient chaque membre de l'équipe à travers un voyage de tous les médias négatifs qui sont publiés à l'encontre du business et de l'industrie et de la société. Ils partagent avec eux tout ça et ils leur montrent comment ces accusations sont stupides. Comme quand ils disaient que cette compagnie est une arnaque et qu'elle a fermé. Ben, la société est toujours là, ils leur donnent les preuves. Donc ils revoient tout ça et ils éduquent leurs équipes. Maintenant, la méthode n'est pas importante. Vous pouvez la changer et toujours réinventer une nouvelle technique. Le plus important dans tout ça, c'est que vous compreniez vous. Comme un adulte. Et trouver une solution pratique d'adulte. Peut-être que certains vont dire que non, on n'a pas le temps. Ils font tout un drame. Ils jouent le rôle de la victime et ses enfantillages. Mais s'il vous plaît, je vous dis encore une chose. Cessez de stopper les autres. Cessez de stopper la société. Arrêtez tout ce drama. Agissez comme des adultes. Pensez à des solutions. Allez-y. Pensez à des solutions. Les solutions changent. Certaines... Why? Because circumstances never remain same. Vous savez, certains ne vont pas le faire. Et alors, continuez à travailler. Ce n'est pas pour rien, ce SW. Le monde autour de nous est en train de changer. Donc, les matériaux, le matériel utilisé, les solutions devraient être adaptées, changées, évoluées. La négativité, peut-être que va augmenter le niveau de difficulté. Si vous, vous ne vous adaptez pas et vous ne vous ajustez pas à cela. Mais ceci n'est pas le vrai problème. Votre vrai problème, c'est que vous avez un problème avec les challenges. C'est ça le problème. Le problème est que vous, vous avez un problème avec les challenges. Et ça, ça veut dire que vous pensez que le succès dans ce business allait être facile. Non, il faut juste parler à quelques personnes et puis ils vont sign-upper et c'est bon. Et le business va commencer à grandir et je vais commencer à gagner de l'argent. Ce genre d'attente est le problème. L'attente que ça allait être facile, qu'il n'y aurait pas de challenge ou que vous pensiez que juste ces challenges avec lesquels vous êtes confortable qui allaient arriver. Et les challenges que vous n'aimez pas ne devraient pas arriver. C'est cela le problème. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, pas au sein de cet univers. Le jour où vous aurez votre propre univers, peut-être que vous pourrez dessiner ce que vous voulez, de la manière dont vous voulez. Moi, je vais vous dire, prends n'importe quelle circonstance et faites en sorte à vous dire qu'elle est responsable de votre non-succès. Et pourtant, en utilisant les mêmes circonstances, vous allez trouver des personnes qui, en ayant les mêmes problèmes, les mêmes challenges, ont réussi. Peut-être que vous allez dire non, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont eu de la chance, peut-être qu'il y a... Pourquoi je dois... Moi, j'étais en train de bien faire et je n'ai pas réussi. C'est à cause de ces problèmes que je n'ai pas pu avancer.
Croyez-moi, les circonstances changent chaque mois et chaque année. Et les gens qui ne comprennent pas ne peuvent jamais, jamais max outer à partir du même marché plus qu'un an ou deux ans. Donc la leçon à prendre en compte, quand quelqu'un réussit en traversant les mêmes circonstances et les mêmes challenges, ça veut dire que c'est possible de sortir de ces challenges. Si quelqu'un réussit à surpasser ces challenges, c'est que c'est possible. Et quand je ne comprends pas ça, je continue à jouer le rôle de la victime et je n'irai pas loin. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les circonstances peuvent changer, mais il faut arrêter de blâmer. Vous savez, dans toute cette équation de succès, à partir de là où je la vois, moi, il y a deux parties. Vous, et la deuxième partie, ce sont les activités, et la troisième partie, ce sont les personnes avec lesquelles vous travaillez. La plupart des gens devraient se c'est la première. C'est l'individuel parti. C'est l'individu qui est en train de construire le business. Les connaissances et l'équipe sont très importantes, mais ne sont pas aussi importantes que l'individu qui bâtit le business. Et laissez-moi clarifier ce point, s'il vous plaît. Imaginez un leader, comme Sachin ou Mohannad, par exemple, ou Patma ou Kavita, peu importe. Sherian, par exemple, Dave. Disons qu'ils sont en train de donner toute leur liste de stratégies, toutes les choses qu'ils ont apprises, toutes ces informations, ces connaissances qu'ils ont acquéries, qu'ils les impriment carrément et qu'ils les donnent à 10 000 personnes, 100 000 personnes, dans un livre, dans un ouvrage. Ils ont tous et toutes les personnes vont recevoir les mêmes connaissances. Vous pensez qu'ils vont tous achever le même niveau de succès que ces gens-là? Impossible. Pourquoi? Peut-être que vous allez dire, non, mais quelques personnes ne vont pas appliquer ces connaissances, c'est pour ça qu'ils n'auront pas de résultats. Moi, je vais vous dire que c'est une observation très superficielle. Oui, bien sûr que pas mal ne vont pas appliquer toutes ces connaissances qu'ils vont recevoir. Mais quand bien même, les personnes qui ne vont pas quitter vont continuer. Le résultat même, quand bien même ils vont appliquer, ils n'auront pas les mêmes résultats que ces personnes-là. Le résultat seront différents. Et la meilleure partie, c'est que vous allez trouver une ou deux personnes qui vont réussir et qui achever un grand succès. À partir de toutes les informations, mais pas que. Alors, vous allez comprendre maintenant la différence. La vraie différence, c'est que ces deux individus, ils se sont impliqués dans le business. Le business est devenu en eux. Ce n'est plus juste un business pour eux. Le business est devenu, il fait partie intégrante d'eux-mêmes. Ce n'est pas comme s'ils faisaient une activité externe. Ils ne sont pas en train de travailler sur quelque chose séparément. En fait, tout ce qu'ils font, ça fait partie d'eux-mêmes. Ça rentre à l'intérieur. C'est quelque chose qui est ancré en eux. Ils n'ont pas besoin que des gens viennent leur rappeler ce qu'ils doivent faire. Ils vont pas commencer à se dire, bon, franchement, moi j'avais posé 2 heures, je m'étais engagé sur 2 heures, c'est bon, maintenant je laisserai le reste du travail à demain. Non, ils font ce qu'il faut faire, ils s'impliquent dedans. Pas comme les personnes qui vont dire, non, mais tu sais, moi je peux pas faire ça tout le temps, j'ai une famille, j'ai des enfants. Ça, c'est la première chose qui vient à votre esprit. Savez-vous, vraiment. En pensant comme ça, c'est que vous avez raté le point de départ pour comprendre. Vous pouvez regarder les notes des autres personnes, toutes les notes qu'ils ont prises, et plonger le nez dedans.
Vous savez, ce n'est pas à propos du fait de travailler tout le temps ou à moitié du temps, c'est à propos de la mentalité. Je ne peux pas vous enseigner comment devenir comme ça, comment avoir la bonne mentalité. Comme je ne peux pas vous apprendre comment tomber amoureux. Je peux juste partager avec lui, vous, ce que j'ai fait. Si vous, vous êtes là dehors, en train de m'écouter. Et si ce que je vous dis prend du sens pour vous, alors écoutez ça. Vous d'entre vous qui sont sérieux et qui veulent atteindre le succès à travers ce business, vous avez besoin de comprendre le pouvoir de votre environnement. Le pouvoir de votre environnement qui est en vous, à l'intérieur de vous. Je ne suis pas en train de parler des circonstances, je suis en train de parler de l'environnement, parce que l'environnement est différent des circonstances. L'environnement, c'est comme une extension de vous-même, en fait. Et ça vous affecte énormément. L'environnement, je veux parler des gens avec lesquels vous traînez, vous passez beaucoup de temps, les programmes que vous regardez, les choses que vous écoutez, tout que vous regardez. Et ça, c'est quelque chose que vous, vous créez, dont vous êtes la source. Peut-être que vous êtes né d'une famille pauvre, ça ce sont les circonstances, mais peut-être que les gens dans vos familles ne vous soutiennent pas. Ça, c'est une circonstance aussi. Je ne suis pas en train de parler des circonstances, je suis en train de parler de l'environnement que vous créez, votre environnement. C'est cet environnement-là qui contribue grandement à votre mentalité. Votre environnement, c'est votre environnement qui conditionne votre mindset. Vous savez, quand vous êtes dans cette eau, la quantité que vous prenez de cette eau, imaginez si vous êtes dans une eau sale, quand bien même vous mangez bien et que vous buvez une eau sale, et ben, vous connaissez le résultat. Donc quand vous commencez dans un nouveau business, ou même quand vous voulez reconstruire de zéro votre environnement, l'environnement dans lequel vous baignez, un pouvoir incroyable. Ce qui vous entoure, il va se diffuser dans votre corps, dans votre sang. Vous savez, noter ces trois secrets de succès ou ces 15 choses pour réussir, atteindre le succès. Si vous êtes juste en train de suivre juste ces choses-là, croyez-moi, vous n'allez pas atteindre le succès. Ne soyez pas choqués. Ne me comprenez pas de manière erronée. Je ne suis pas en train de vous dire que ces connaissances ne marchent pas. Ça marche. Mais la plus importante chose, c'est que vous, et que vous n'arrivez pas encore à comprendre, c'est que toutes ces choses ne sont pas les seules choses que les gens successful, qui ont atteint le succès, font. Il y a des choses petites, des choses grandes qu'il faut implémenter. Et quand bien même ils vous listent tout ça, ils vous donnent toute une liste, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Ne vous arrêtez pas à ces listes. Ne cherchez pas juste les listes. Les stratégies sont importantes. Je ne dis pas le contraire. Et surtout quand vous commencez. Bien sûr, ça aide beaucoup. Mais vous devez évoluer en parallèle. Ne vous arrêtez pas aux méthodes. Il y a tellement de choses que vous devez implémenter, que vous devez traverser. Et le plus grand point, c'est votre changement personnel. Ce que vous devez changer, c'est tout. C'est tout. C'est de vous mettre dans le bon environnement. C'est de mettre les pieds dans le bon environnement. Et c'est cela le secret. Et c'est comme ça que vous pourrez absorber toutes ces connaissances, petites et grandes, pour pouvoir les implémenter et que vous recevez de vos leaders qui succèdent. Par exemple, si vous voulez apprendre comment faire une présentation, oui, bien sûr, en assistant à 1 heure ou 2 heures de présentation, vous pourrez apprendre, ou vous pouvez apprendre en ligne, mais si vous voulez
devenir excellent en parlant à un prospect, par exemple. Vous devez travailler sur vous-même. Vous devez vous entourer de gens qui sont bons dans ça. Et si vous voulez juste apprendre les choses basiques, vous pouvez assister à quelques formations et puis apprendre. Mais si vos objectifs, c'est de devenir un coureur de fond, ceci ne va pas beaucoup vous aider. Vous devez obligatoirement baigner dans un environnement de travail sur soi. Assurez-vous de vous entourer d'équipes qui sont en train de vous tirer vers le haut. Tout ce que vous regardez, tout ce que vous écoutez, aussi au sein de ces équipes, vous ne pouvez pas être au top. Si vous êtes au top, vous êtes le top des personnes qui vous entourent, ça va aider les personnes autour de vous, mais ça ne va pas vous aider. Vous avez besoin d'avoir des gens autour de vous qui sont meilleurs que vous. Si vous êtes naïf si vous pensez que l'environnement que vous avez, les gens avec lesquels vous traînez tous les jours, et vous vous dites non, mais de toutes les manières, quand bien même moi je sors, il ne m'affecte pas, vous êtes vraiment innaïf. C'est comme si vous dites, en fait, je pouvais perdre du poids, quand bien même vous faites des exercices, mais vous mangez de manière pas du tout équilibrée, vous n'aurez pas de résultats. Il y a beaucoup, vous devez vous conditionner. Vous devez vous reconditionner. Et c'est un jeu, vraiment, c'est cela en fait le point de départ. C'est cela la chose la plus fondamentale que vous devez comprendre pour atteindre le succès. C'est le travail sur soi et l'environnement. Si vous voulez atteindre le max out dans les deux prochaines années, vous pouvez parler à n'importe quel reine du max out. Ils vous diront qu'il n'y a pas d'autre manière. Vous voulez atteindre un massif succès. Vous pouvez l'avoir. Mais soyez prêt. Stop approaching it by piece, like you have 100 years left to get to max out. Instead, go all in. Allez-y, courez. Et allez en immersion. Well, vivez dans cet environnement qui vous tire vers le haut. Et faites ce qu'il faut faire. Will you allow negativity? Alors dites-moi. Get to you or your team. Yes or no? De vous toucher, vous et vos équipes, oui ou non? Ponge, quand les challenges vont arriver, ou vous allez vous comporter comme un adulte responsable. Jeter l'éponge ou grandir. Est-ce que vous allez créer votre succès vous-même? Est-ce que vous allez partir en ligne droite ou vous allez revenir en arrière? Je prie sincèrement que chacun de vous aura le courage de tout faire pour ses rêves. Vos rêves méritent que vous donniez 100% de vous-même, 100% d'attention. Ne les traitez pas mal. Ne donnez pas juste 10% à vos objectifs, à vos rêves. Ce sont les Donnez 100% d'attention à ça, à vos objectifs et à vos rêves. Et je prie sincèrement que chacun de vous aura le courage pour ça. Que Dieu vous protège. Je vous aime tous.
Je vais vous laisser avec quelque chose, avec avec une chanson d'Eminem. J'adore cette chanson. Et j'adore comment il commence cette chanson. En disant, laisse-toi emporter. Si tu avais une chance, une opportunité de saisir ce que tu as toujours voulu en un instant, est-ce que tu le prendrais, le saisirais ou tu le laisserais passer? Donc je vais vous laisser avec cette chanson. Je vous aime très fort. Que Dieu vous protège.